Eh bien le bonjour à tous et à toutes sur le canal Yoda-san. Je voulais vous parler d'activation de Windows 10 pour le lier définitivement à votre compte Microsoft. Alors vous êtes acquitté d'une licence ou alors vous avez fait un upgrade profitant de l'offre gratuite jusqu'au 29 juillet dernier. Donc si vous cliquez sur la barre de tâches en version anniversaire, vous aurez accès aux paramètres ici. Sinon, vous pouvez passer par la zone de notification. Vous faites tous les paramètres. Ensuite, vous allez à mise à jour et sécurité. Et là, vous allez à activation. Alors, pour me loguer sur Windows 10, j'utilise un compte local et non pas lié à mon compte Microsoft. Donc, c'est pour ça que l'activation indique la ligne suivante. Windows est activé à l'aide d'une licence numérique. Alors, pour activer Windows et le lier au compte Microsoft, il faut faire ajouter un compte. Et là, vous allez devoir vous loguer à votre compte Outlook, compte Microsoft. Alors, on va taper votre adresse email, le mot de passe pour vous loguer à votre compte et vous faites se connecter. Là, il va demander le mot de passe Windows actuel. Alors, c'est le mot de passe pour ouvrir votre session en local, si on arrive à cet écran-là. Et vous faites suivant. Vous avez une fenêtre de patienter. Voilà. Vous voyez le changement de message. L'activation maintenant affiche Windows est activé à l'aide d'une licence numérique liée à votre compte Microsoft. Voilà. C'est-à-dire que pour activer votre Windows en cas de réinstall tout ça, vous utilisez votre compte Microsoft comme compte utilisateur et vous aurez l'activation qui se fera automatiquement. Après, rien ne vous empêche de repasser en mode de compte local. Voilà. Se connecter plutôt avec un compte local pour éviter d'être lié en permanence connecté avec votre compte Microsoft. Voilà. Bon. Petit tuto simple pour tout le monde. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Ciao.